Ouais, bien joué encore de la part de Mike Boy qui est en train de s'énerver un petit peu dans ce bio. Attention à la démolition de Tau sur Adozin qui va réussir à tenir bon Mike Boy. Là, je ne sais pas si elle était cadrée, mais Alpha a pu avoir la lecture. Alpha, mais c'est pour profiter du bump de K-Dop. Tau qui revient, qui ne peut pas défendre. Alpha qui a juste un poussé, il ne se sera pas fait démolir ni fait chipper le ballon. K-Dop lui va réussir sa démolition. Et c'est l'égalisation d'Evita. Ah, K-Dop il y a cru jusqu'au bout. C'est incroyable qu'il réussisse à choper la démolition là-dessus. Hein. Wallis s'est arrêté et il a pas décalé sa trajectoire, ça a donné à K-Dop tout le loisir de lui mettre cette grosse patate. Égalisation à 1 minute 30, ça sent bon pour Vitality si on continue sur cette phase de jeu. Allez Alpha, il le voit, il a du temps, il en profite, il part lui aussi en air dribble, on rend les armes de Moïse, mais Jojo qui a parfaitement défendu le ceiling. Jojo qui arrive à dégager derrière Radozin, c'est récupéré par K-Dop, la passe dans l'axe, Alpha qui est dans les airs, c'est le seul je crois, le tir direct. Vatira va pouvoir faire la parade, Ryze. C'est coupé par K-Dob, le bum peut-être qui est tombé, non, la laisse filer. K-Dob, il n'a rien fait, il a tout simplement laissé Alpha récupérer ce ballon. Personne n'est positionné pour défendre, tout le monde attend le move de K-Dob. Joyeux ne peut pas se jeter et Alpha vient punir. Les Vitality prennent le premier point. Il a feinté toute la défense de Moïse, K-Dob, c'est tout. Juste simplement laissant ce ballon flottant arriver devant les cages. Et Joyeux derrière ne pourra pas continuer son action, on peut peut-être repartir avec... avec Alpha 54 qui est mis en danger par Ryze, cela dit, ouais, très bon travail de l'anglais qui se rachète un petit peu. Vatira qui va clear de l'autre côté, K-Dop qui peut le reprendre. K-Dop il essaye, il ne jouera pas de double tap, il ne pourra pas gêner Jojo, la balle était trop loin. Par contre, Alpha là qui récupère la frappe est arrêtée par Vatira. Radozin, il la laisse à K-Dop et la frappe est parfaitement placée. On vient feinter, on vient laisser la position à K-Dop du côté de Radozin. Très belle communication chez les Vitains et on vient prendre l'avantage. Ouais, quelle belle patate en plus, directement en barre entrante, elle est presque inarrêtable. Et ça fait plaisir de voir un Vitality un petit peu conquérant, même si c'est évidemment compliqué de dominer hein, face à Moist. Rado qui va essayer de dégager le duel face à Mike Boy qui est assez neutre. Alpha, est-ce qu'il peut prendre cette balle? La réponse est oui. Wally, c'est compliqué pour lui, la lecture est très bonne de la part du Néerlandais. K-Dop la passe pour Rado, le tir direct. Et ça rentre et ça passe pour la team Vitality qui ouvre le score. Oh, quel service de K-Dop hein. C'est monstrueux, la passe est belle, elle est rapide, elle est directe. Et Radozin derrière qui va croiser au maximum. Il la met pas forcément côté opposé, mais c'est suffisamment fort pour outspeed le dernier défenseur. C'est absolument parfait, on a besoin de ça parce que pour l'instant Vitality était un petit peu encroquillé dans son camp et là on fait parler le réalisme. K-Dop qui intervient pour empêcher la reprise de la possession du côté des Solari, même si Mike Boy a réussi à le faire, le air dribble le compte peut-être tôt, le redirect. Oh, ça a été arrêté de justesse par Radozin et K-Dop va pouvoir défendre Alpha 51. Quelle contre-attaque de la part des Vitality, c'est allé si vite, j'ai même cru que c'était pas dedans. Oui oui, on est bien d'accord, K-Dop qui va faire cette touche et la vitesse d'Alpha 54 pour rediriger ce ballon. C'est absolument fou, 107 km/h directement dedans. On n'a absolument pas vu le coup venir. Pourtant, on avait un Solari tellement dominateur sur le début de Inbashi. Et ben là, ils viennent de prendre un petit taquet. Attention, Alpha, le duel, ça part dans le corner et ça va être récupéré par... ouais, qui arrive à repartir en air dribble. K-Dop qui va passer à côté. Alpha qui peut la reprendre. On essaye de pousser dans les cages. Je crois que c'est Alpha qui vient trouver le préflip en pleine lucarne pour faire le break. Oh, elle est magnifique cette touche. Alpha qui est tellement dans son match pour l'instant. Regarde-moi cette touche de préflip. En plus, c'est bizarre. Il le cancel à moitié son flip. Hein. De ce qui fait que comment dire, la trajectoire de sa voiture est ultra étrange. Et derrière, il vient relever ce ballon directement en lucarne. Récupéré. Va essayer de reprendre le duel avec Radozin qui est intéressant. Est-ce qu'on peut combiner du côté des joueurs de Vitality? Ouais, K-Dop bien poussé. Jojo en son temps qui essaye de passer par le mur, mais on a tout vu du côté de K-Dop. Vatira qui va partir de l'autre côté. On a de l'espace du côté de Vatira, mais Alpha a tout vu. Oh, c'est dommage. Cette touche d'Alpha 54, ça va donner à Ryze une bonne opportunité. K-Dop était là pour la récupérer. Jojo maintenant, on essaye de faire parler la vitesse, mais c'est pas suffisant face à Alpha. K-Dop qui est là pour lui shipper, c'est bien réalisé directement sur le backboard. Oh, Ryze qui s'est raté. Et Alpha 54 qui y a cru. Il a eu l'espoir justement que le dernier défenseur ne s'y attende pas après cette superbe touche de K-Dop. Il va aller chercher le bump sur Vatira et lui pique derrière le ballon. Ryze est complètement battu et Alpha 54 qui va mettre ce ballon au fond, c'est monstrueux. Touche devant Radozin qui a essayé de la remettre sur son coéquipier. C'est K-Dop en troisième lame qui essaye de tirer. Tau. Il va pouvoir continuer sa part sur le backboard ou Alpha à la lecture parfaite. Il fait la passe à Radozin et là ça peut être un temps fort pour l'Evita. Rado qui fixe son adversaire en esquive la démolition. Il y va en 1v1. Et il vient prendre le contre pour ouvrir le score pour l'Evita. Combien de fois il a fait ça Radozin dans sa carrière? On ne compte plus, c'est magnifique. Parce qu'il vient feinter le fait de partir vers le haut, potentiellement sur le backboard, potentiellement avec une double tap derrière. Donc ça oblige Oali à aller vers le haut. Et derrière, on va tranquillement laisser ce ballon redescendre, prendre le 50-50. Ça finit au fond.
Radozan devant les cages pour l'instant, c'est un meurtrier. Dorito, est-ce qu'il peut pousser jusqu'au fond? Il fait la passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On est en retard sur CRR malheureusement. Récupération de Dorito. Alpha qui va pouvoir essayer de la reprendre pendant qu'il est en train de faire sa rotation. Il arrive à remonter dans les airs. Le flip reset Alpha. Peut-être Alpha qui vient clutch pour aller ouvrir l'égalisation. Pour le score pour Vitality. On est l'égalisation dans cette troisième game. Lorsqu'on est dos au mur, qui c'est qu'on appelle? C'est Alpha 54 pour essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Essayer de se libérer, essayer de clutch ces moments-là. Et Alpha 54 qui sait extrêmement bien le faire. On a beaucoup de mal à terminer les actions côté Solari encore. Ouais, on a beaucoup de mal à être précis dans le dernier geste. Très clairement, attention, cette frappe au qui n'était pas cadrée non plus. C'est Mike Boy qui peut récupérer. Il y avait une belle démolition, mais on ne cadre toujours pas du côté des Solari. Et ça fait les affaires de Vitality qui peuvent repartir à l'attaque avec Rado. Qui prend son temps, qui contrôle, qui essaye de partir dans les airs. Le air dribble. Le duel avec Rado. C'est un flip reset. Découvre la transversale, rentre en pied, limite tout Solari et qui donne l'avantage à Vitality. Vitality qui passe grâce à Radoza, mais ce flip reset, il est impressionnant. Il fait un air dribble, il chope le flip reset, il l'enclenche instantanément pour éliminer un joueur et il va chercher la double tap derrière. C'est somptueux.